Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur cette chaîne d'actualité Xbox. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner ou bien à me follow et à mettre un like afin de soutenir la chaîne. Du coup, il y a Forza Motorsport qui est disponible pour les personnes qui ont la version premium et maintenant pour les personnes qui ont la version standard ou bien qui ont le Game Pass, donc qui n'ont pas pris le upgrade premium comme moi par exemple. Bah, on va attendre le 10 pour pouvoir mettre la main sur ce jeu-là. Alors, le jeu est sorti et il y a déjà des comparaisons, comme on peut le voir ici avec IGN. Alors là, niveau Forza Motorsport, ils ont mis performance ray tracing. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis un mode qualité comparé à Gran Turismo. Là, ils n'ont rien mis. Je ne sais pas s'il n'y a pas de mode, s'il y a un mode performance ou pas sur le jeu, ou mode qualité. Bref, alors. Quand on regarde les deux jeux, on peut dire que les deux sont vraiment beaux. Ils ont leur style, ok, ils ont leur style propre à eux. Mais je trouve que, personnellement, en tout cas, le Forza Motorsport a plus de... Il est plus immersif, ok. Par contre, quand on regarde le replay mode, j'ai l'impression que du côté de Gran Turismo, c'est plus beau que Forza. Après, c'est visuel. Est-ce que vous voyez? Je trouve que c'est plus lumineux, c'est plus coloré. Par contre, en plein jeu, je trouve que c'est plus réaliste du côté de Forza Motorsport que de Gran Turismo. Voilà. En tout cas, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Là, je précise encore, comme vous pouvez le voir, ils ont mis Forza Motorsport performance ray tracing. Alors, je ne sais pas, si, imaginons s'ils mettent en mode qualité, peut-être que ça sera encore plus beau. C'est peut-être parce que c'est en performance que ça, vu qu'il y a une baisse de la qualité, donc c'est pour ça que c'est comme ça. Okay. Maintenant, il faut que vraiment je mette la main là-dessus pour voir ce que ça donne. Parce que je n'ai pas encore joué au jeu. Et si parmi vous, il y en a qui ont les deux, n'hésitez pas aussi à donner votre avis. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc vous voyez bien les différences. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez, même si vous n'avez pas encore joué au jeu. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!